La police rive mette la patte son gros poisson. La police pon gros poisson nan nasli papa. Gen moun ki di monsieur se soldat Timakak, se chauffeur Timakak ke liye. Mais gen lot moun ki di monsieur nan G9. Gen moun ki di monsieur joue sous deux terrains. En tout cas, quel que soit nan équipe la joue a, kit la joue nan équipe Timakak, nan la boule ka fait et défait. Kit la joue nan équipe G9, kit la joue nan équipe Iso Village, quel que soit côté lié, en ben là actuellement la police li même bon sou monsieur. Monsieur prend gol nan men la police, monsieur entre nan las. Monsieur entre nan las la police et la police pa kite le chapé. Tout ça n'a pas gardé là, Fratik Joe Canel Journal 9. Donc la police dans lui-même, li frappe très fort, l'est arrivé met la patte sous citoyen ça lui-même qui c'était un soldat qui était à jouer dans base Timakak ou bien qui habitué conduire machine pour Timakak selon information qui a circulé. Jean Doulan, monsieur lui-même son bon grain que la police arrivé met la patte sous lui. Fanatik Joe Canel Journal 9 et gros causé papa et gros causé. Donc la police là lui-même l'a frappé, c'est vrai. Dernier temps ça yo bandi eux même yo fait en pile des autres bandi eux même yo fait en pile gros coup, surtout avec directeur école nationale de police là que eux même yo fisié au niveau de route frère, on a parlé de Rigo Harrington. Mais là j'en toujours dit tellement bandi yo a fait des faits, tellement bandi yo occupé tout espace, tellement bandi yo a foncé de gros crimes de yo a, et comme sous senti la police là presque pas fait rien du tout. Et comme sous senti la police là pas fait rien du tout, tellement bandi yo même il a fait la pluie et le beau temps dans pays là, tellement bandi yo occupé tout espace, tellement bandi yo a frappé fort sous béton hein. Fanatik Joe Canel Journal 9. Mais la police là, il est toujours frappé, toujours sous école, de temps en temps met la patte son tigraine, de temps en temps les prend tigraine poisson là, son bon poisson, bon grain de poisson le prend. Fanatik Joe Canel Journal 9, Jean Dolan, son individu ça lui-même, c'est un nèg qui fait partie de base Timakak. Qu'on s'attoue, il y a monde qui dit une base G9. Jean Doulan, quel que soit côté monsieur Yé, mais la police font bel coup, quel que soit côté monsieur Yé, son bon gain, la police lui-même, lui arrivé, met la patte sur lui. Fanatik Joe Canel, Journal 9. Dossier Haïti, République Dominicaine, chaud en pile, en pile. Ben, qui de nous, professeur, guerrier civil, monsieur lui-même, monsieur saccagé République Dominicaine. Monsieur met tout kakachat de yo, il parle sans réserve. Et, tant que plusieurs autres monde dit ça déjà, en de République Dominicaine ni même, il doit être trempé dans la situation insécurité ou un pays a connu dernier temps ça yo. République Dominicaine ta contribué à financer gang dans pays a pour déstabiliser pays a, pour ne pas produire rien, pour toujours dans instabilité, pour vendre nous capable toujours dépendre de yo, pour ne pas gain stabilité, pour ne faire rien dans pays a. Mais République Dominicaine pas arriver faire ça sans li pa jwenn ben support de autorité nan peyi a tout. Donc ta gen des autorités d'en well, nou bon paquet autorité tant pou investir nan peyi a nou ba se République Dominicaine yal fè gros business. En mais là et pas sans raison ou des nèg tant pou investir nan peyi a kòp ki gen nan men yo sans République Dominicaine yal fè business. Fanatik Joe Canel Journal 9 ande des professeurs guerrier civil k'ap déposé sans filtre sou République Dominicaine. Et parce que nous avons un contexte historique qui est important et nous connaissons Haïti avec la République Dominicaine, chaque guerre nous avons quatre les 10 jours de travail là. Et qui est le pays, nous connaissons ce qui va passer pendant l'occupation américaine et l'occupation anglo-dominicaine Haïti et qui bat. Chaque pays, les États-Unis comme pays et pays, ici, nous connaissons dans le pays de ça, c'est la République Dominicaine qui bat, qui mettait plus usine. Et c'est qui était plus moderne. Vous avez choisi Haïti comme main d'œuvre pour marcher. Vous pouvez regarder 400 000 travailleurs haïtiens qui veulent quitter Haïti pour une période d'occupation, pour la République Dominicaine à Cuba. Et pour encourager les capitalistes espagnols et français, américains, et venir installer les capitalistes en République Dominicaine. Et par contre, il y a les Touloulios qui sont racistes, extrême droite, en même temps, Touloulios, c'est petit haïtien, c'est petit chevalier de jury. Et M. Valentin, en Espagne, M. Valentin prend une équipe bousin, posturée,
et pour blanchir la Dominicaine. Mon Dominicain, c'est tout le monde dominicain noir au pays. Sous base raciste, ultranationaliste, chaque coup la République dominicaine en crise économique, il va carrément pour la maison peuple, nous servir avec Haïti comme bouclier pour résoudre les problèmes politiques. À gouvernement extrême doit ça. Ouais, le gouvernement Lesco et Duvalier qui va signer des contrats avec Haïtiens pour venir dans la bataille, c'est le gouvernement de droite qui a servi les pays américains à l'époque pour créer une grande usine américaine pour permettre de profiter dans le 4-4 aux États-Unis. Il n'y a pas de problème des Haïtiens. Contexte ça que ça va passer. Et tout le 37, nous allons arriver à massacre. Nous allons tuer des milliers d'Haïtiens. Et nous allons garder le contexte historique. Ça, l'armée tenue, l'armée d'Haïti, l'armée de là, pas intervenir jusqu'à ce que l'étudiant agronomique demande des armes pour aller contre l'armée dominicaine. Et nous pensons que ça qui a défini là, son mauvais approche historique et capable de se questionner. Hein? Et dirigeants politiques, ils n'ont pas campé sur rien. Et nous, et par conscientisation, peut-être sur question ça, tout le monde est en Brésil, Haïti, nous allons garder. Et Dominicain a profité, fait ça toujours. Et il y a des bagailles dominicaines qui sont faites là, et il y a des gens qui sont dans le pays, pas. Et historiquement, Dominicain a dit qu'il n'y a pas la République dominicaine. Et en plus, l'historien, il y a un bourgeois qui dit ça, non. Et il y a des gens qui laissent pas tourner, il y a des gens qui coupent. Et Brayal va couper. En 1823, Brayal va interdire, finir avec l'esclavage, dans l'île là. Ça veut dire, pour l'histoire, la République dominicaine, il y a un historique. C'est tout l'extrême droite. Et nous comptons qu'il y a Haïti qui joué dans le Bosch. Nous avons dit qu'il fallait soutenir le régime dictateur face à un Bosch. Il fallait soutenir Toulio, il fallait soutenir Balakiel, et il fallait lier un gouvernement haïtien à un gouvernement extrême-droite dominicain. Qui est tout deux peuples. Et historiquement, la vie dominicaine en récession, tout le monde. La vie dominicaine, c'est un pays qui est plus pour nous dire dans le Caraïbe, dans la question du coronavirus. La vie dominicaine, ils sont une économie volatile, ils sont une économie chitassonnée, ils sont une économie de sites, qui chita, on appelle le touriste. Et je ne veux pas dire que Dominicain, il y a beaucoup. Là, on goku, ça, c'est Haïti qui vient. Malheureusement, nous avons Ariel qui est imbécile avec André Michel, avec l'ambassade dominicaine, qui n'a pas compris rien, encore rien, dans le cadre politique mondial, Jean-Dominicani, et qui partage les mêmes idées avec nous, qui a fait des accents sur nous. Et on monte, il y a l'ouvert barrière, et pour permettre Dominicain de faire plus comme. Et nous pensons Haïti, avec Haïti, c'est un meilleur marché que la République dominicaine. Et le jour Haïti, reconstruire l'économie surtout, investir la production économie nationale, pour dire Dominique pas avant encore. Parce que le secteur dominicain avant Haïti, pas du pays qui a pris. C'est un produit qui correct, et pas un produit qui est normal. Et nous pensons sur l'État pour nous définir. Ou notre l'État, ou notre pays, qui nous protège l'État. Et nous avons peut-être l'État pour la hauteur. Nous connaissons quelqu'un qui est là plus de 20 ans. La République dominicaine a une sélection de pays. Même gang tout. Ma présidente 400 Marozo. C'est gang de République dominicaine. D'après FBI, d'après la Obaï, c'est celle qui est responsable de la République dominicaine qui finance. Pour craser ma bonne coupe, même j'ai crasé la tonique. Nous connaissons qui projette ma liste pour prêter les pays en propre. La République dominicaine était installée gang dans toute la pour craser la production pays. Et pour plus gros projet là, installé gang dans le président pour craser ma bonne coupe, pour craser le président. Parce que le président c'est meilleur hier, pas mon quoi c'est meilleur. Nous disons. Parce que là, ni nos combats et sa classe moyenne, si vous ne voulez pas comprendre ça, il y a les en Dominicani et oui, il a perdu tout bien, et même Italiens, ils ont même massacré, et internationalistes, qui ont fait propagande, et je pense que c'est pas pour les Asies pour une décision, ils vont acheter 6 km à la rue dominicaine, et puis vos partenaires à la rue dominicaine dans le commerce, c'est les États-Unis. Après nous, c'est le deuxième, c'est nous-mêmes. Et les États-Unis, ils vendent 100 millions de dollars chaque année. C'est les États-Unis seulement 2 milliards de dollars dans l'économie, surtout dans le secteur touriste. C'est une économie qui dépend de les États-Unis, qui dépend de multinationales. C'est pas une économie qui est réelle. Les gens décident, par où ils étudier en Dominicaine, pas acheter pour les Dominicains, pas les Dominicains. Et nous garantir le PIB dominicain, chita 15%. Déjà chuté. Et nous pensons, sur notre vision, sur notre politique, nous faisons, et nous pensons, vous avez dit 29 novembre, quand c'est joué, c'est un massacre à tout, qui est important, tout. Nous connaissons en tant que jeune, et nous connaissons la médaille ici, avec CIA, il était tout le peuple là-bas, pour un pouvoir, pour qu'il est réel, qui est pour pouvoir. Et nous pensons, c'est tout le contexte, ça, nous-mêmes, nous avons question de la République dominicaine. La République dominicaine, c'est le vieux peuple, deux peuples près, nous avons tendance, ultranationaliste, extrême droite, chaque coup dominicain, nos situations, et, pareil qui dit, et nous avons dit, nous, éducation dominicaine, par éducation de qualité. Et en garde, indicateur de développement humain de la République dominicaine, cela a été oublié. Notre développement humain, la République dominicaine, par exemple, c'est un région. Comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas régler un là, qui fait notre décision pour la République dominicaine. Et nous avons aimé Haïti, tout à l'heure, nous. Parce que 1937, les hommes massacrent, c'est tout bien Haïtien. Je saisis bien, par exemple, il y a Haïtien qui vole les machines, qui vole les cailloux. Et même Binadel, ça, tu es demandé de venir acheter. Par exemple, Binadel, c'est un homme qui est dans la construction de la République dominicaine. Vous comprenez ce que ça fait? L'État paye, nous, 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 nous,
Si pas moi, il va se faire immigratoire, immigration, il va arrêter mon nom. Et monsieur, même si on est qui dans le volet, qui dans le PPS, tout, qui n'a pas de faute fiscale, qui n'a pas de fisco, nation, babadio, et son est tout qui va y est tout. Et moi, c'est extrême droite dominicain, et ça, frère là, c'est la honte. Et nous, monde civilisé, au monde éclairé, on n'a pas de politique encore. Et la vie dominicaine, c'est là, isolé. Comme nous, avons eu Getchul, Ayel, André Michel, Major Michel, qui va être ouvert, Bayer, oui, oui, ça va dire, nous ne pouvons pas pouvoir, nous n'avons pas de niveau pour comprendre. Niveau diplomatie. Et moi, c'est comme ça, je vais dire ça. C'est deux pays brésiliens. Bon diplomatie. C'est la République dominicaine, c'est les États-Unis. Parce qu'il y a un contexte historique. Nous-mêmes, avec la République dominicaine, qui conduit par la tête, qui a été occupé. Et puis, c'est pas grand, c'est coup de mental, parce que l'espace a tourné. Et jusqu'à ce que je mette les réponses statiques en République dominicaine. Et moi, c'est dans toute droite historique, ça. Nous-mêmes, comme politique nationale, internationale, nous disons pas ici, une mobilisation contre le racisme et contre la vieille réalité du Sahara. L'économie dominicaine nous dépend de Haïti. Et même question éducation dominicaine, c'est Haïti. Question linguistique, la question touriste, c'est Haïti qui a traduit. C'est mon peuple qui a l'école d'abord. C'est mon peuple qui a l'école. Et Dominicains, son pays prostitué, si nous 10 ans, et à 70 ans, son pays qui a un bordel l'économie, c'est mon économie qui a son bagaille. Et je pense que dans le cadre de gouvernement, en tant que militant de gauche, nous-mêmes, nous avons des démagogies, il faut nous montrer conscience nation, formation, gouvernement, pour nous prendre l'État, pour nous gérer l'État, ça, pour nous suspendre vos politiques et discrimination, pour que l'État fort, pour que l'État soit par rapport à ça, et Dominicains, à Haïti. Professeur Dizel, vous avez essayé de faire bataille ça. Et nous, j'en dis là, gouvernement joué à l'ouvrir barrière, mais il faut que vous regardez le comportement haïtien autour. Immédiatement, barrière ouverte, tout vieux souvier, barrière dominique est tout pourri, regardez haïtien eux-mêmes qui prennent l'entrée pour prendre ça. Et ceci dit, il y a un peu haïtien qui est victime, qui est malade, qui est mort, tout oui. Par rapport, vieux produit maintenant. Vous pensez que c'est une bataille avec le modèle, mon ça. Et où sortez haïtien, parce que le mode l'État, ça va pas faire, André Michel, Major Michel, avec Ariel tout, il n'y a pas de capacité pour le l'État. Sauf que c'est important, nos peuples qui ont la souveraineté alimentaire, ou pas qu'on peuple. Agriculture, il n'y a plus de gros âmes. Et nous avons les 50-60, et des modèles qui sont dans la région. Nous avons une croissance de 10%. Il va descendre à 4% l'année 70-80. Ça veut dire, la République dominicaine est sous le président, et son bicentenaire. Ça partit de nous, la bicentenaire. Et les camarades d'Alpéville, Béladé, et tu vas s'estimer. Et c'est des modèles, nous, malgré Dominique Gampi, parce que leur propre ligue, son gros merveilleux dans le Caraïbe là. Et moi, c'est ça, c'est important. Gros situation de précaire, nous mettons dans une situation de misère, et c'est ça lié, dirigé par les politiques, les politiques néolibérales, ils ont regardé tête. Yo. Et faut, pour résoudre la République dominicaine, il faut qu'on politique et une politique publique agricole. Pour distribuer les terres paysans, bon terre, pour terre fertile, pour mettre vos agricoles, banque de crédit, ça nous a fait du bien. Du côté d'un pays, café moyen, sans pas besoin d'engrais. Et du côté, si cajou, nous avons mangé, pas de manger la vie, tombe non. C'est rien seulement. Ça veut dire, nous avons une capacité pour nous produire. Ça partie de production, nous sommes capables de nous donner une réponse en l'autre état. Ce n'est pas l'école AIL et SDP qui l'a. Et nous sommes capables, nous sommes candidats, nous sommes capables, nous sommes capables. Quand nous avons l'élection, et la République dominicaine finance plus fort que les candidats, ce n'est pas qui danger. La République dominicaine toujours compresse ce stade pour dominer nous sous prétexte et pour faire justifier et nous occuper. Et bien, oui. Et me penser, soit que ce soit nécessaire, et me penser qu'on démarche l'État haïtien, tout le monde, l'État des mendiants, ou l'État qui a un sinistre, et pour l'État qui a une politique publique, vraiment vrai, une politique réelle envers la nation, envers le pays. Si tout le monde va la mettre, et nous prenons la parole là, il y a plus de monde va la mettre qui va exister. Et qui est laissé en République dominicaine, nous avons fait exit. C'est en République dominicaine, il y a l'école, ça veut dire, son l'État qui va exister, vraiment vrai. Et me penser, pour casser l'État ça, il faut mettre la politique. PHTK, 4e version. Aïel et Matéli avec André Michel et Major Michel. Yo, à partir de ça, on va pouvoir payer une autre direction pour bénéficier pays avant de développer toute la capitale. Voilà, déclaration professeur civil guerrier qui lui-même a déposé sous cause de République dominicaine qui, dernier temps, a déporté compatriotes sans droit ou pas respecté, qui a fait ou pas bonne pas macon, la guerre fourré ou nantibagay tout coincé, bail au coup de bâton, crasé caillou, volé kobio, République dominicaine donnant presque un état terroriste qui lui-même a persécuté haïtien qui parfois a des moun ladan qui légal, mais des pour noir, République dominicaine lui-même. Son pays raciste qui pas danser collé avec mon noir qui a comporté un bon tonton l'état raciste contre haïtien qui vivent en République dominicaine. Fanatique Joe Canel, journal 9. Sac passé Marjorie Michel. Selon des informations qui ont circulé, visa Marjorie Michel t'a semblé coupé.
gros cause. On parle de Major Michel qui dans SDP et visa gale, visa mettre André Michel tout assemblé coupé. Blanc américain t'assemblé courir avec Desayo fanatique Joe Canel journal 9 après plusieurs autres gros autobre dans politique là ben Major Michel qui est principal tout. On a coupé rache dans gouvernement papa, a coupé rache dans Ariel Henry, a ben blanc il est passé visiter Majorie Michel avec André Michel tout, n'a cherché plus information sur ça. Ou konn formule déjà, si vous pouvez abonner à la chaîne ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petite cloche là pour qu'à toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours venez bagaille neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour qu'à encourager bel travail information sans camper Journal 9 à faire dans tout pays parce que nous pas suspendre bousquer information tout partout pour nous informer de réalité pays d'Haïti. Malheureusement, qu'a vinn plus malouk chaque jour plus n'a pas capi là avec vidéo ça.